Salut tout le monde, c'est Monsieur V, bienvenue sur le premier DLC de Spider-Man. Ça c'est à la toute fin du générique là. On y était presque. C'est pas encore le DLC, hein. C'est la toute fin du générique, juste après le générique on est. Mais je n'abandonne pas. Je trouverai un remède. Je te le jure. Je t'aime. Putain, c'est Harry? C'est quoi cette merde? Ah, oh, il a bougé le truc dedans. Ouh, ça sent le prochain Spider-Man. Ouais, ça sent le truc pour faire un prochain, donc. Vu qu'il y avait cette cinématique que je voulais pas que vous la ratiez après le générique, on a terminé l'histoire principale, donc on va quitter. Et nous allons pouvoir faire le premier DLC de ce jeu. Du moins l'entamer, je ne sais pas combien de temps ça dure. Je sais pas si c'est des trucs longs, genre 4 heures, ou si c'est une petite mission. Donc, on peut accéder à New. Son grand retour, ces vieilles familles du crime avaient été éradiquées, et depuis la disparition de Fisk, elles comblent peu à peu les vides. Les anciens parrains travaillaient en harmonie depuis des années, mais avec cette place vacante, on devrait assister à une lutte pour le pouvoir. D'ici peu, l'une des familles s'en prendra aux autres. Je vais devoir recontacter mes sources dans la police. On pourra peut-être étouffer cette montée du crime, qui sait. Donc je vais incarner Mary Jane, là? Non. Salut Peter, je travaille sur un sujet qui pourrait t'intéresser. Le reportage sur Oscorp? C'est un nouveau sujet. Ça parle des familles de la Magia. Maigre ? Je croyais que vous avez disparu en même temps que pas de neuf, moi. Oh, les ringards. Elle était en déclin, mais depuis le départ de Fisk et des démons, la Cosa Nostra fait son comeback. J'adore quand tu prends cet accent. Pseudo, mon grand. Tu sais que le FBI a fait une descente dans la Magia le mois dernier ? Ouais, bien sûr. L'un des parrains avait une œuvre d'art disparue qui s'appelait la Maria. Et maintenant, elle est au Boca, à Manhattan. Et donc ? D'après une de mes sources, l'une des familles a prévu de récupérer. Ce soir. J'ai l'impression que c'est pas juste une histoire de toile et de peinture. Je vais faire un saut au musée. Ok, il y a une toile qui va être volée au musée, faut qu'on la récupère. MJ, je crois que ta source avait raison. Il y a un petit groupe de malfrats qui essaie d'entrer. C'est en ligne, je vais voir ça de plus près. Sois prudent. Si ces types sont de la Magia, ils ne plaisantent pas. Allez, brûle-toi. J'ai pas trop vu ce tableau. On devrait déjà être sorti. Si tu veux essayer, vas-y. C'est fou ce que les gens sont prêts à faire pour éviter de payer plein tarif. Et les gardiens? Le matron a dit que s'ils jouent au héros, on tire sans sommation. Je vais leur faire une démonstration de l'art de neutraliser les criminels. Allez, pas de piqueur !
l'impression d'être plus violent. Que, j'ai l'impression d'être plus violent que dans le jeu, quoi, là. Qui frappe plus fort. J'ai déjà vu ces types. C'est Frederico Frezzemi et San Patrino. Ces types sont avec Amores, non? Pourquoi il veut la Maria? C'est pas vraiment son style. Je vais faire le tour. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. Et je te dirai si je trouve quelque chose. Dommage. Putain, je gagne le jeton de monument, je sais même pas ce que c'est que je prends en photo. La porte principale est encore fermée. Je devrais vérifier les autres entrées. Ouais, mais c'est où les autres entrées? Sur le toit. C'est quoi ça? MJ, il y a une ouverture dans une vitre. Je vais voir. Que les gars de Hammerhead essaient d'entrer par devant, quelqu'un d'autre est entré par le toit? Ouais, on dirait bien. Je vois personne. Mais alors, personne. Il ne devrait pas y avoir des gardiens de nuit? Si. Va voir au poste de sécurité à l'entrée, peut-être. Et il y a sans doute des caméras là-bas. Elles ont dû filmer l'intrusion. Le poste de sécurité est verrouillé. Il me faut une empreinte pour entrer. Tu trouveras peut-être des indices à l'intérieur. Y a moyen de pirater la serrure? Bah, sans la main d'un gardien. Une empreinte de la main, précisément. Si tu ne croises pas les gardes, tu trouveras peut-être leurs empreintes sur ce qu'ils ont touché. Ah, ouais, bonne idée. C'est toujours un plaisir de donner un coup de main. Bon, si j'étais une empreinte de main, où est-ce que je serais? Sur une poignée, non? Peut-être une empreinte partielle là-bas. Il doit bien y avoir une empreinte par ici. J'ai une empreinte de main. Ah, enfin, une partie. Il va m'en falloir un peu plus. Bizarre. On dirait que les gardiens ont disparu. Alors. Où est-ce que je vais trouver d'autres empreintes partielles? Ouais, je suis sûrement pas assez riche pour apprécier ça. Je me demande s'il y a une empreinte. Encore une. Génial. Des gardiens dignes de ce nom laisseraient pas leur matériel. À moins qu'ils soient pas partis volontairement. Une lampe torche. Je peux récupérer une empreinte? Bon, je devrais avoir assez d'empreintes partielles pour reconstituer une empreinte de main. Je devrais pouvoir reconfigurer le scanner pour qu'il accepte mes données. Contourne le capteur optique, je pourrais envoyer mes propres données?
C'est bon, j'envoie l'empreinte demain. Franchement, je l'aurais bien fait, mais j'ai pas réussi à choper les machins sur le côté, donc... C'est ouvert. Super. Qu'est-ce que tu vois? Ils sont vivants. On dirait qu'ils ont été endormis. Aucun signe de lutte. C'est pas le genre d'Hammerhead. Mais si c'est pas Hammerhead, alors c'est qui? Il y a une vidéo? Je vais voir. Quelqu'un a désactivé la caméra 5. Ah, ça c'est louche. Je vais la réactiver pour voir ce qu'il voulait que personne ne voie. Elle est tournée vers l'un des tableaux de l'exposition. Ah, oh, c'est sûrement la Maria. Il n'a pas encore été volé. Je dois aller voir de plus près pour trouver ce qu'il a de si spécial. Exemple parfait d'impressionnisme pastoral moderne. L'histoire de ses nombreux vols et réapparitions est presque aussi passionnante que l'œuvre en elle-même. Ce tableau m'a l'air plutôt normal. C'est le cas. Il y a des trucs bien plus précieux dans ce musée. Alors pourquoi la Magia est tellement obsédée par cette œuvre? Attends, MJ, quelqu'un arrive. Au dernier moment, le mec. Lucille, il savait que ça allait se fermer. Spider-Man est peut-être encore ici. C'est les mecs tabassés qui ont prévenu, là. Elle est derrière une vitre de sécurité. Hé, dites à Franck qu'on va devoir sortir les gros calibres. Ah, les gros calibres, pas les outils, tu sais. Genre, on va tirer dessus et puis basta. Bon, je vais essayer de me les faire. Les gars d'Hammerhead ont appelé des renforts. Ils m'ont pas encore opéré. Tant mieux. Fais en sorte de rester invisible. Ouais. C'est ce que je vais faire. Il n'arrivera pas à casser cette vitre de sécurité. Occupe-toi de ton boulot. Laisse les autres. Les flics sont bientôt ici. Non. Je suis désolé, j'ai pas voulu du tout. Je me suis trompé de bouton pour envoyer une boulette d'étoile d'araignée par terre. Quoi. Les gars d'Hammerhead ont appelé des renforts. Ils m'ont pas encore opéré. Tant mieux. Fais en sorte de rester invisible. Soyez vigilants. Je vois dans quel sens. Faut pas que les autres le voient. Le signal, ça veut dire qu'il était là. Soit il s'est tiré, soit il est encore dans les parages. Oh la vache! Je suis en période probatoire. Si ça tourne mal, je me tire. Je sais. Mais c'est pas trop parce que tu lâches. Tu risqueras plus que la prison. Tu te souviens de Fabio? Il est pas parti au cas. Après, comment je me trimballe jusqu'à là-bas, moi? Parce que
comme ça qu'on fait. Les flics vont pas tarder. Ah, fais chier. On pense qu'on peut et on se tire. Génial. Ils piquent les autres œuvres. Je dois les arrêter avant qu'ils arrivent à sortir. Bon, il y a qu'une seule issue. C'est celle où il faut entrer. Passe plutôt à la boutique des souvenirs. Consoler, je t'enverrai un poster de cette œuvre pour ta cellule, ça marche? T'es sérieux? Je rentre au bercail. Bon, il n'y a qu'une seule issue, c'est celle où ils sont entrés. Oh, c'est quoi ces prises de vue bidon là? Rejoindre la sortie avant eux. Passe plutôt à la boutique des souvenirs. J'enverrai un poster de cette œuvre pour sa cellule, ça marche? Allez, il y a peut-être des cours d'art en prison. Il est en train de filer. C'est...
Occupez-le. Je suis presque à la sortie. Je peux pas les laisser filer. Je reste là. Alors, Peter, t'es là ? Ça c'est va ? Qui le voleur maintenant ? Ouais, je crois que je les ai tous eus. J'ai pas mal d'œuvres à remettre à leur place. Et la Maria ? C'était peut-être une distraction. J'y ai pensé. Je vais y retourner. J'espère que la vitre était assez épaisse. Paroi de sécurité intacte et par balle. Mais c'est peut-être une personne fosse. Pourra s'approcher de la Maria. Mission accomplie alors ? Espérons. Oula, attends. Je vais devoir raccrocher, je te rappelle. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se... Non. T'as l'air en forme ? Tu fais du sport ? Non. Enfin, si, un peu. Alors, t'es célibataire maintenant ? Ou tu termines avec ton ex ? Eh ben, ça en fait des questions. Je suis curieux. C'est un très vilain défaut. Et si tu me disais pourquoi t'es là ? À ton avis. Oh, j'attendais seulement le bon moment. Regarde derrière toi. Oula. Oui, mais le temps que vous fassiez quelque chose, les mecs. Il est mort comme Marion Cotillard, celui-là.
Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe, les mecs? J'aime bien ton nouveau style. Toi, par contre, t'as pas changé. Tu devais pas arrêter de voler des œuvres? Qui te dit que je suis là pour l'art? Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois que t'as des vies à sauver. Encore? Non, non, retour! Elle est passée. Bah, à ton avis, je croyais qu'elle allait t'attendre. Peter, est-ce que tout va bien? Désolé, MJ, j'ai croisé une connaissance. Qui ça? Les embrouilles. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode, les amis. En tout cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et un petit commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de partager aussi. De partager la vidéo et de s'abonner, les gens. Je vous remercie en tout cas, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, merci d'avoir été là.